Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit avec un plan with me. On va planifier le mois de mai ensemble dans mon planner. Mais avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai pas fait de vlog jusqu'à maintenant et j'ai pas mis des vidéos en ligne parce que tout simplement, après le dernier vlog, j'ai eu trop mal à la gorge. Et en fait, j'ai pris des antibiotiques et tout le reste parce que ça passait pas. J'arrivais même pas à dormir, même pas à manger. Ça faisait tellement mal à la gorge. Du coup, c'était impossible de parler non plus. Du coup, c'était impossible de filmer ou des choses comme ça. Et j'ai fini avec la gorge et j'ai commencé avec une petite crise de dents. Et c'était compliqué. Du coup, pour ça, j'ai rien mis jusqu'à maintenant. Mais je voulais absolument faire cette plan with me parce que je sais que vous aimez ça aussi. Et comme bientôt c'est au début de mai, du coup, je me suis dit que c'est une bonne idée. Et comme ça, je vous passe des nouvelles aussi. Le prochain vidéo, je sais que ça va être un petit unboxing, mais après le reste, pour l'instant, je sais pas. Je veux faire en fonction de moi et en fonction de comment j'arrive. Avant de commencer, je voulais vous dire que là, j'ai utilisé pour habiller cette planeur la éco-cuir du Craftelier, la couleur blush. Rose blush, quelque chose comme ça, et j'aime beaucoup. Avant, c'était un planner en fait avec plein de paillettes et j'aimais pas du tout. Du coup, j'ai tout enlevé et j'ai mis du éco-cure comme ça. Et après, j'ai fait une petite couture sur les bords et j'aime beaucoup. Voilà, et l'intérieur, c'est l'ancienne planner. Mais ici, l'extérieur, c'est avec le éco-cure du Craftelier. Et j'ai fait encore un. Celui-là, il est fait 100% moi. Ici, j'ai mis du semi-cuir rose. C'est un rose très joli. Mais c'est vraiment très salissant. Il se salit trop vite. Et en fait, il est avec un élastique. À l'intérieur, il a une pochette ici. Ici, c'est la même éco-cure du Craftelier. Voilà. Sur cette côté, pareil, une pochette. Et ici, la éco-cure. Et il a des élastiques. Là, j'ai mis un carnet comme ça, note. La vie est belle. Le carnet aussi, c'est moi qui l'ai fabriqué. Ici, c'est un planeur. Ici, encore un planeur. Les deux, ça c'est acheté, j'ai acheté que les deux du début et le dernier, c'est moi qui l'ai fabriqué. Et le premier, c'est avec les mois, que les mois, un carnet avec une page note ici, une page note à la fin. Et à l'intérieur, il n'y a que les mois où il faut noter nous-mêmes le mois où on commence cette planner. Voilà, je voulais vous montrer le planner que j'ai fabriqué moi-même. Et il est bien costaud, je crois que ça se voit. Voilà. Et fait avec. J'ai fait une couture sur les côtés. Comme ça, je suis sûre qu'il se casse jamais. Maintenant, on va passer à l'intérieur de cette planeur. Vous savez très bien que moi, j'aime beaucoup les petites planeurs, les grands, nos portes. Tout ce qui c'est planeur, moi, j'adore. Ici, pour décorer le mois d'août, mais j'ai utilisé, je vous montre tout de suite, tout ça comme washi. Et encore des washi qui j'ai fini. J'aime beaucoup cette façon de décorer le planner parce qu'en fait, j'arrive à passer beaucoup de washi. J'arrive à passer des papiers d'action, des stickers, des plein de choses comme ça. Et ça, j'aime beaucoup. J'ai utilisé, comme d'habitude, le double face fin pour, en fait, pour décorer. On va zoomer plutôt pour mettre tous les papiers vellum parce que j'ai mis du papier vellum comme d'habitude. J'ai utilisé les Tombow et le petit stylo noir comme ça 04. C'est celui-là. J'ai acheté un lot sur Amazon. Il est résistant à l'eau. Voilà.
C'est un lot avec 12 ou 10, quelque chose comme ça. Et j'ai utilisé l'eau 01 aussi, la même marque. Et j'ai utilisé plein de feutres Tombow comme ça, que j'aime beaucoup. Le 0,70, le 474, 250, 250. J'ai deux fois le même. J'ai sorti deux fois le même. Vous imaginez tellement j'aime cette couleur. 0,73, 0,16. Et j'ai encore deux ici. 434 et 250. Mais cette fois-ci, c'est sur le côté crème. Et ici, c'est sur le côté rose. Voilà pour les feutres. En fait, j'ai ici un panier où je tiens à côté plein de stickers et des choses comme ça. Et j'ai utilisé plein de stickers comme ça. Donc, Action. Tout ça, il vient de... je vous montre tout de suite. Des blocs comme ça qu'on trouve chez Action. Creative Paper Collection. Et vous savez très bien qu'au milieu, on a déjà qu'on a plein de die-cuts, des papiers, mais on a des stickers aussi. Moi, j'ai enlevé tous les stickers de tous les blocs. Comme ça, je garde les stickers à côté de moi et le reste des blocs, je les range séparés. Et j'ai utilisé plein de petites stickers d'ici, des bandes washi comme ça. Et plein. Vous avez plein de modèles. Hop. Et j'aime beaucoup parce que chaque fois sont assortis. On a même les jours de la semaine, mais sont en anglais. Après, qu'il préfère en anglais, il peut utiliser. Moi, pour l'instant, j'ai pas utilisé, mais je veux utiliser parce que moi, ça me dérange pas du tout si c'est marqué en anglais. Voilà. On a plein. Et des très jolis. J'ai utilisé ça. En fait, j'ai utilisé plein de stickers comme ça qui viennent d'Action. D'ailleurs, il faut que je fasse un tour chez Action pour voir s'ils ont mis encore des nouveautés et pour acheter quelques-unes anciennes si je les trouve encore. Parce que j'ai adoré et j'ai utilisé carrément toutes les planches entières. Du coup, je veux bien les retrouver. Voilà pour tout ça. Et maintenant, on va commencer à regarder le planner à l'intérieur. On va passer direct à le mois de mai. Sur cet côté, j'ai fait une petite composition comme ça. On va zoomer plutôt encore un peu. J'ai fait une petite composition comme ça avec plein de papier washi tape. Et ça, il vient d'un bloc 30-30 actions. J'ai découpé à la main tous les petits carrés qu'il y avait à l'intérieur. Et je trouve très joli. Ici, c'est une page vellum que j'ai imprimée avec un motif floral. On va prendre le dos comme ça parce qu'il est foncé. Vous voyez un peu. Voilà. Ici, le mois de mai. Ici, un sticker Hello. Et des washi et des stickers Action toujours. Et marqué mai. Là, c'est le calendrier. En fait, cette côté, je n'ai pas filmé parce que j'avais pas de batterie. Mais... j'ai fait tout simplement 12 cm comme ça. Et on a 4 petits carrés. Du coup, ça fait 3 cm par carré. Et comme ça, vous faites exactement la même chose. 3 cm par carré. Voilà. Moi, j'ai fait le premier et le deuxième plus grand. Parce que j'ai fait 16 au total. Mais si vous voulez que tous les carrés sont égaux, vous faites 3 par chaque carré. Du coup, vous faites que 15 cm. Parce que 3 fois 5 carrés, ça fait 15. Voilà. Et... j'ai passé sur cet côté. Ici, j'ai mis note important. Comme ça, je note les choses importantes de moi. J'ai mis plein de petits stickers comme ça, rose, bleu et vert. Parce que comme ça, je peux noter les jours où mes enfants ils font la piscine. Le bleu et le vert, c'est pour mon fils. Et tous les petits stickers rose, c'est pour ma fille. Comme ça, je sais que tous les jours comme ça, les enfants ils font la piscine. Voilà. Après, ici, j'ai mis book pour noter les livres que je veux lire cette mois-ci. Encore un petit washi vellum comme ça. Ici, en fait, j'ai photocopié
de la marque Craft O'Clock, la collection Spring. Et le reste, je ne sais plus comment il s'appelle. Et j'ai photocopié des pages comme ça, 30-30, sur du papier vellum. J'aime beaucoup cette collection. Et du coup, j'ai utilisé, par exemple, ici, on a cette page-ci, comme ça. Voilà. Cet côté qui est là, c'est exactement le même côté comme ici. J'aime beaucoup cette collection. Du coup, j'ai imprimé sur du papier vellum. Voilà, vous pouvez faire plein de choses avec des collections de Stamperia ou n'importe, même action, si vous avez des pages que vous aimez. Vous faites photocopier sur du papier vellum et comme ça, vous pouvez mettre dans le planner. Et vous savez très bien que moi, j'utilise le double face toute fin comme ça pour coller ici, direct sur la page. Voilà, il est collé ici sur la page. Ici, c'est la première semaine. Il commence la première semaine et pareil, j'ai fait une petite composition avec plein de petites papiers, stickers. Ici, on a un très joli washi avec deux feuilles qui viennent d'AliExpress. J'aime beaucoup. Et le reste, presque tout, il vient d'Action et AliExpress sur cette page. Et ici, il commence la première semaine. J'ai gardé le même principe. Avant, c'était... j'ai fait pour une période comme ça. Des carrés. Mais avant de commencer cette planeur, les deux dernières, c'était un jour par page. Et franchement, je préfère parce que, en fait, au moins comme ça, je peux tout mettre sur le même planeur. Il ne faut pas avoir 10 000 planeurs à côté. Je préfère comme ça. J'ai essayé plein de méthodes différentes, mais je préfère celui-là. Par contre, j'ai encore le planeur comme ça où je note sur une page. Une semaine, tout ce que j'ai à faire. Comme ça, en fait, celui-là, il reste sur mon bureau. Et celui-là, je peux le porter partout. Parce que ici, vraiment, j'ai une côté tout doux. J'ai une côté gratitude. J'ai une côté réflexion. Et une côté comme ça, vide. Où je peux vraiment mettre tout ce que j'ai envie. Même vider ma tête. Mettre des photos avec mes enfants de cette journée. Ou mettre des petites photos de ce qu'on a fait dans cette journée. En fait, dans cette planeur, je peux mettre tout. Pour ça, je préfère avoir chaque fois deux pages pour une seule journée. Comme ça, j'ai la to-do, j'ai les gratitudes, parce que vous savez très bien que j'adore noter des gratitudes. Avant, j'avais un planeur séparé pour les gratitudes, mais je préfère mille fois comme ça, avoir tout dans le même planeur. Comme ça, même si un jour, je veux regarder... je sais pas, les gratitudes 2022, en fait il ne faut pas sortir trois planeurs pour voir qu'est-ce que j'ai fait le 20 septembre 2022 par exemple. Je sors juste un seul planeur et je vois exactement tout qu'est-ce que j'ai fait dans cette journée. Après, ici c'est le 2. Voilà, j'ai vraiment utilisé plein de stickers d'Action et de washi tape. Cette washi tape, vous trouvez sur ma boutique. Après, on a le 3. J'aime beaucoup, j'attends votre avis comme d'habitude. On a le 4 et ici, j'ai mis encore une page de vellum comme ça. J'adore insérer des pages vellum partout. On a le 5. On a le 6. Toujours la même collection du Craft O'Clock. J'ai imprimé. Après, ici, c'est dimanche. Ici, c'est pour noter des choses pour toute la semaine. Et on commence avec la 12e semaine. C'est une très bonne idée, ça, pour utiliser vraiment tous les washi et des choses comme ça. Ici, par exemple, j'ai fait photocopier une page d'un bloc Action. Ici, pareil, c'était une page Action. Toujours une page comme ça vide pour toute la semaine.
ici vellum, là c'est la troisième semaine. J'avais trop envie d'utiliser ces filles, même si ça fait un peu automnal, pas trop printemps-été, mais j'aime beaucoup. Là, lundi, mardi, toujours un bloc action que j'ai fait photocopier sur du vellum, papier vellum, voilà. Ici, pareil. Ici, c'était deux pages que j'ai mis un à côté de l'autre. Et comme ça, ça fait un peu plus de ça et moins de cette page. J'ai fait plein aussi des pages où j'ai découpé les fleurs comme ça en deux. Et en fait, j'ai superposé un peu partout. Comme ça, on dirait que ça sort d'ici, cette fleur. J'ai pas filmé toutes les semaines comme j'ai planifié parce que j'avais plus de batterie et trop mal au dos et du coup j'ai arrêté de filmer, mais au moins je vous montre le résultat final pour tout et après je vous mets en accéléré les semaines que j'ai fait décorer avec vous. En fait ici, hop, voilà, ça dépassait un peu. Encore un papier vellum, toujours des stickers d'action. Ça, les washi comme ça, il vient des papiers de paper collection. C'est les washi qui sont sur les pages. Et ici, la quatrième semaine. Papier vellum imprimé. Semaine 4. Ça, c'est des anciens stickers d'action. J'ai vidé complète la planche. J'ai plus de stickers de cette collection avec les cactus. Ça aussi c'est des anciennes collections. Ça c'est génial parce qu'on arrive à utiliser vraiment tout. C'est bien, j'ai passé de 27 à 29 direct. Ok, il faut que je note ici 28. C'est 28, pas 29. Dimanche, 28. Voilà. Et ça, c'est tout. J'ai fini ici. Ça, c'est toujours des papiers d'action. Ça, c'est tout. Parce que les trois derniers jours du mois, je le fais dans le prochain mois. Comme ça, je fais une semaine entière et je ne coupe pas la semaine en deux. Voilà. Même si je peux faire ça aussi parce que comme c'est une journée par page, je peux le faire. Mais pour l'instant, j'ai laissé comme ça. Après, je vais voir si je veux continuer avec la cinquième semaine ou si les dernières trois jours, je les mets dans le mois suivant, de juin. Voilà les filles, ça c'est tout. J'espère que vous aimez bien. Je vous laisse maintenant avec la petite vidéo en accéléré. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous et j'attends votre avis si vous aimez ou pas. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Bisous, bye bye.